Bonjour les petits loups. Là, on va faire des cookies. Hein. Par contre, on va faire des cookies avec de la margarine. Là, j'ai pris 200 g de margarine et je vais prendre directement 100 g de sucre. Soit vous mettez du sucre blanc, du sucre roux. Après, pour le sucre, ça dépend si vous aimez sucré ou pas sucré. Moi, je mets 100 g. Si vous voulez plus sucré, vous mettez plus ou moins. Ça dépend. Voilà. Donc, je vais mélanger bien le sucre et le. Il faut du beurre, de la margarine mou. Hein. Donc je mélange tout ça et je reviens vers vous. Voilà, après avoir mélangé tout ça, je prends un œuf que je vais mettre directement à l'intérieur et que je vais mélanger. Voilà, j'ai mélangé. Ensuite, je vais mettre une pincée de sel. Voilà, je mets une pincée de sel. Hein. Juste une pincée, hein. Faut pas saler. Hein. Ensuite, je vais mettre un peu de bicarbonate. Après, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas forcé d'en mettre. Hein. Ça va pas. Vos coquilles seront toujours bons. Hein. C'est des petits plus. Voilà. Bicarbonate alimentaire, hein, de préférence. Voilà. Une demi-cuillère à peu près. Hein. Voilà. Ensuite, je vais mettre un sachet de levure et un sachet de vanille. Oui. Donc voilà, ça c'est ma vanille. Et je vais mettre la levure derrière. Tant que j'ouvre ma petite boîte. Voilà. Et j'ai mis ma levure. Et je mélange le tout. Voilà, après avoir mélangé, on va mettre de la farine. Donc voilà, là je vais mettre de la farine au fur et à mesure. Soit vous la mettez comme ça tout doucement au fur et à mesure, soit vous la tamisez. Moi je vais la mettre comme ça au fur et à mesure que je vais mélanger. Oui, petit loup, voilà, moi j'ai mis pour 300 g de farine. Mais après, c'est pas parce que je mets 300 g que vous allez mettre 300 g, parce que tout dépend de l'œuf que vous avez. Si c'est un petit œuf, un grand œuf, c'est pour ça. Après, c'est à vous de voir la pâte. La pâte, voilà comment elle doit être. Voilà, la pâte, elle doit être comme ça. Mais sinon, mettez 300 g de farine. Donc, ensuite, je vais mettre mes pépites de chocolat. Voilà. Vous mettez vos pépites, on va dire 200 g à peu près. Hein. Après, les pépites de chocolat, ça dépend si vous en voulez beaucoup ou pas beaucoup, c'est à vous de voir. Hein. Vous n'êtes pas forcé de mettre 200 g non plus. Hein. C'est la quantité des cookies que vous voulez avoir comme pépites. Hein. Si vous aimez bien qu'il y a trop de pépites ou pas, voilà. Donc, voilà, voilà. Donc là, on mélange bien et on va laisser au congélateur. Moi, j'aime mettre tout ça au congélateur direct. Hein. Comme ça, ça va bien refroidir, ça va bien durcir. Voilà. Voilà, j'ai bien mélangé. Et là, je vais mettre directement au congélateur pendant 15 minutes, le temps que ça durcisse. Bon, les petits loups, voilà. Moi, j'ai laissé au congélateur pendant au moins 20 minutes. Hein. Ça durcisse bien. À côté, j'ai pris mon plat à four avec une feuille de cuisson, comme vous voyez. Hein. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Il va bien préchauffer, voilà. Là, comme ça, durcit. Après, pour les tailles, hein, c'est vous qui voyez. Hein, vous prenez une cuillère comme ça. Vous faites un rond, voilà, comme ça. Et vous déposez. Ah ouais, vous ne voyez pas, pardon. Voilà. Je prends ma pâte. Ça, il faut bien laisser durcir. Faut bien les espacer, hein. Et après, je vais les aplatir légèrement. Hein. Voilà, je dépose tout ça. Bon, je termine tout ça, mes petits loups. Et je reviens vers vous. Vous avez compris le principe. Hein. Donc, voilà, ouais, petits loups. Bon, j'ai fait deux. Moi, j'ai deux plateaux. Hein. Je vous dirai, j'en ai fait combien. Après, j'appuie comme ça, légèrement. Hein. Juste légèrement comme ça. Et je les enfourne à 180 degrés, bien sûr. Préchauffez votre four toujours. Bon, j'enfourne.
Bon, les petits houlous, moi j'en ai pour 15 minutes. Mais après, c'est moi, c'est mon four. Vous, c'est à surveiller. Hein. Vous voyez, là, ils sont super chauds, ils sont super moelleux. Ne vous inquiétez pas, ils vont durcir quand ils vont refroidir. Mais ils sont super moelleux. Hein. Quand vous voyez qu'autour, hein, c'est bien, c'est doré. Pas doré, doré, mais quand vous voyez que c'est doré, c'est-à-dire que c'est, ça veut dire que c'est cuit. Hein. Ne vous inquiétez pas si c'est moelleux, c'est normal. Hein. C'est normal que ce soit moelleux. On va attendre qu'ils refroidissent et je vous montrerai le résultat. Donc voilà, mes petits loups, mes cookies, ils sont bien cuits, voilà, comme j'ai dit, à 180 degrés pendant 15 minutes. Mais tout dépend des fours, c'est à surveiller, n'allez pas les laisser cramer ou... Voilà, les cookies, comme vous voyez, hein. Regardez. Donc voilà les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager. Bye bye les petits loups, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon appétit!